Et salut à tous, c'est Ferus Lycan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3. Et oui, alors on va continuer les championnats. Enfin, on va faire un championnat parce qu'en fait j'ai fini tous les rassemblements et puis tout ça. Il reste plus que les courses et les championnats à finir. Mais on va faire d'abord un championnat. Alors je me suis acheté le buggy Polaris qui est juste ici avec le kit déco Rockstar. Donc on va faire laquelle? Non, pas celle-ci, on va faire celle-ci. Hop là, retourne arrière. Alors je me suis acheté le Polaris comme ça parce que j'ai vu que j'avais de la thune et puis je le trouvais stylé avec le kit déco Rockstar. Donc je vais faire des coupures pour y aller parce que sinon après ça va être trop long. Donc on se retrouve là-bas, à tout de suite. Alors on est de retour devant. Alors comment continuer le championnat, enfin on commence. Alors regardez, en fait j'en avais deux. J'ai celui-là. Celui-là il est beaucoup plus puissant, celui-là. Mais le truc c'est que j'avais envie de prendre celui-là, du coup j'ai pris celui-là. Et puis vu que j'avais de la thune, j'ai dit pourquoi pas le prendre. Alors j'espère qu'on va y arriver. Parce que vu que j'ai regardé, vu que j'ai conduit jusqu'au truc, j'ai remarqué qu'il glissait vraiment beaucoup. En fait il dérape. Donc on va voir. Alors j'espère que j'aurai pas de droit d'auteur avec la musique parce que j'avais totalement la flemme de la baisser. Du coup merde, putain, faut tourner. Alors c'est bon, hop. Oh putain, comme il dérape, c'est abusé. Wow. Elle s'est abusée, putain. Oula. Ouah, mais c'est super chaud. Dès qu'en fait, dès que il dérape une fois, en fait, tu l'as dans le cul, quoi. Ça y est, le machin, il est parti. Alors, j'ai réglé mon petit problème parce que je sais que vous saviez qu'en fait, je faisais des pauses. Enfin, je fais tout le temps des pauses de 5 minutes parce que le gameplay, il enregistre que 5 minutes. Mais en fait, j'ai trouvé un moyen de parler en même temps que je joue. Donc là, par exemple, je joue en même temps que je parle. Parce qu'avant, c'était pas le cas, en fait. Je parlais après que j'avais joué. Donc en fait, je... Putain. Ah, ça rase, merde, l'arbre. Donc, en fait, tout simplement, bah, je pouvais pas... En fait, je devais faire comme si que je jouais en parlant, en fait. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Putain, mais elle glisse, mais c'est abusé. Donc, du coup, en fait, j'ai trouvé un logiciel sur mon ordi pour, justement, enregistrer le son de ma voix en même temps que je joue. En fait, je lance les deux en même temps. Comme ça, ça va beaucoup plus... En fait, c'est... Là, vu que je joue en parlant, en fait, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est beaucoup mieux, je trouve, pour vous et puis pour moi. Parce que au moins, j'ai pas deux trucs à faire après, quoi. En fait, ça va beaucoup plus vite. Je peux beaucoup plus vite upload la vidéo. Et puis, en fait, j'ai plus de trucs à vous dire que quand j'enregistre après. Parce qu'en fait, quand on enregistre... Putain, mais oh, c'est dégueulasse. C'est abusé, comme c'est dégueulasse cette voiture de merde. Donc ouais, c'est beaucoup plus pratique parce que en fait quand on enregistre la voix après, on sait pas trop quoi dire en fait. C'est ça le problème. Et puis ouais, c'est parce que en fait quand on enregistre directement les deux en même temps, on sait directement ce qu'on veut parler et puis on n'a pas besoin d'inventer après. Et puis de toute façon, dès qu'il y a des fails de merde, et ben on sait ce qu'il faut dire ou quoi, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique dans le sens où on enregistre les deux trucs en même temps. Alors je sais que je pense que vous avez vu ma petite facecam, putain de voiture. Donc voilà, c'était pas du fake, c'est vraiment moi. Après il y a plein de gens qui me connaissent de ma chaîne, donc c'est logique qu'ils me connaissent. Enfin ouais, c'est un peu logique ce que j'ai dit. Donc voilà. Alors j'essaye de comment dire, merde, de varier un peu les vues
pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui préfèrent la vue capot, il y en a qui préfèrent la vue interne, il y en a qui préfèrent en vue externe, enfin, je varie un peu. Donc, première place, pas mal. Alors, j'ai fait 3 minutes 12, pas mal. Bon, bref, il met trop de temps à venir, du coup, je passe, on s'en bat les couilles. Alors, 7090, ok. 6931, ok. Et allez, un truc de bien, parce qu'à chaque fois, j'ai tout le temps la poisse de gagner de la merde. Putain, mais non, mais vas-y. Ah, ça me casse les couilles. Pourquoi je gagne tout le temps de la merde comme ça? Hop là. Alors, pareil, hein, je vais faire une petite coupure, hein, comme d'hab. Pour justement. Là, par exemple, hop. Petite coupure, mais je parle tout le temps en même temps. Hop là, ça va assez vite, hein, pour faire les coupures. Hop. Alors, ensuite, on va aller où? Il y a plus de course ou quoi? Ah si, les flèches jaunes, elles sont en haut. Ok. Ok, il y en a deux là. On va faire celle-là, allez, hop. Hop là. Donc, hop, on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est bon, on est là. Alors ça, par contre, je fais des coupures, hein, normales, hein. En fait, je coupe le son de ma voix, hop, après... Enfin, vous avez compris, quoi, c'est tout simple. Et puis, ça, ouais, ça va beaucoup mieux. Alors, virer tout terrain en buggy, oui. Avec mon petit buggy de merde. Oh non, en plus, ça pleut, je crois. Oh la dèche. Oh putain, ça pleut, on est dans la merde. C'est parti. Alors je joue pas en manuel, hein, parce que de toute façon ça servira à rien, il y a qu'une vitesse sur cette buggy de merde. Mais en manuel je trouve que c'est trop dur avec le volant. Oh putain. Non. Ça passe. Mais non putain, je me suis tapé le bord. Ok, ça commence super bien. Hop, on reprend d'ici. Bam. Bam. Mais non, mais putain toi. Ça veut pas passer, pourtant je tourne à droite, à gauche. Ah c'est bon. Ouais, faut freiner à mort, hein. C'est horrible. Wow wow wow, je vais me retourner encore comme un gogol. Non c'est bon, ok. Nickel. Oh putain, je vois que dalle. Bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop, on freine un peu. Putain, mais non, je me retourne. Je me suis retourné, la honte. Hop, c'est bon, on reprend, on freine. Bam, ok. Putain. Oh, c'est dégueulasse avec l'eau. C'est horrible, mais non, mais... Je me tape encore le bord. Merde, je me suis trompé de bouton. Oh la honte. Ok, on prend ici du coup. Hop. Vue interne. Bon, c'est beaucoup plus facile pour moi, hein, la vue interne. Parce que vu que je suis au volant, en fait, le volant du véhicule dans le jeu est au même endroit que mon volant dans la vraie vie. Enfin, ouais, normal quoi. Oh putain, ça glisse. Bouge-toi, bâtard. Allez, ok. C'est bon, on est bon, on est deuxième, on rattrape le premier, mais faut pas que je fasse de la merde. Moi j'ai failli rater le point de truc. Pourtant je le rattrape alors que... Ah oui, on a le même. Ok, on freine un peu, bam, on reprend, hop, à fond de balle. Hop là, on change de vue. Oh, 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 calme. Ah, c'est horrible, les à-coups de volant qu'il faut faire, c'est dégueulasse. Hop, à fond de balle. Non, mais non. Ah oui. Ah, c'était beau. Un pouce bleu pour cette figure. Ah, c'était beau. Ah, j'ai fait un salto avant. Bam, remis sur mes roues. Et bam, on continue la course. Et oui. Hop, oula, oula, oula. Calme. Alors, j'ai comme projet de faire des... Comment dire? Merde, des vlogs un peu... Putain, mais j'allais tomber dans le trou. Des vlogs un peu plus souvent. Donc, l'été, ça sera en vélo. Enfin, je ferai du VTT, je ferai... Merde, putain. Je ferai un peu de tout, enfin. Mais putain de merde. Après, je sais pas, j'aurais peut-être d'autres idées, mais... D'ici là, on n'est pas encore en été, on est encore en hiver. Donc, on continuera des vidéos de ski.
Et j'ai remarqué que il y a un. Putain, faut freiner. Il y a un border cross. Ou un snowpark, quoi. Vous m'avez compris. Qui est ouvert dans ma station. Donc j'ai cru qu'il était fermé. La dernière fois que. Enfin, de la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai cru qu'il était fermé en fait. Puis pas du tout, en fait, il était déjà ouvert. Puis j'avais pas remarqué. Du coup, j'essaierai de faire des figures là-bas et puis on verra. Parce que, en fait, vu que y a de la famille qui vient la semaine prochaine, j'aimerais pas me péter encore un bras comme un gogol. On verra ce que je ferai. Je ferai peut-être des trucs simples, style. Pourquoi j'ai rembobiné, moi? Merde. Bon, bah hop, je rembobine tout. Hop. C'est bon. Donc, ouais, j'essaierai de faire des petites figures simples. Style 360. Après, ça dépend les sauts. Après, je ferai 180. Enfin, des trucs basiques, quoi. Parce que moi, j'ai jamais encore testé le bac ou quoi. Moi, je pense que c'est trop dangereux pour que je le fasse. Je vais encore me casser quelque chose, moi, comme un noob. Oui, parce que comme vous avez vu, hein, je suis pas énorme. Je suis pas gros, du coup. Putain de merde. Hop. Petite pause. C'est bon. Ça reprend. Normalement. Hop. Alors, j'ai été surpris parce que ça a fait la pause quand j'étais en plein virage. Du coup, ça m'a tout gâché. Merde. 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 Putain, j'arrive pas. Hein, ça saute trop sur là-dessus, là. C'est horrible. Hop là. Prends d'ici. Bam. Nickel. On va fond. Ok. C'est bon. Donc j'ai toujours pas testé le bac et tout, mais je pense pas que je les testerai, parce que après peut-être plus tard, hein, ouais et encore, parce que je trouve que ça sert à rien et puis tu peux vraiment te casser pas mal de trucs en faisant ça. Si tu le fais mal ou quoi, tu peux vraiment avoir mal. Donc c'est pour ça que putain. Et tourne, bordel. C'est pour ça que je pense que je ferai pas de putain de ta mère de trucs de figures trop compliquées puis trop dangereuses juste pour vous. Non, je pense pas. Donc, déjà style les trucs de base 360, 180, c'est déjà pas mal. Et après, de toute façon, un petit gameplay de temps en temps de ski, de. Après VTT, je pense pas. Je fais pas de figure en VTT, hein, je vous le dis, je vous préviens. Moi, le VTT, c'est juste du vélo de descente que je fais, c'est la vitesse, machin et tout. Mais après. Mais hey, ça me fait tout le temps ça, mais c'est quoi ce bordel là? Putain. Ah, mais je crois qu'on peut aller en dessous. Attendez, je vais. Vite. Je vais aller voir en dessous, tiens. Non, c'est encore pire. Ah ouais, non mais en dessous c'est trois fois pire quoi, il y a une colline. Hop, on reprend ici puis on va monter en fait. Allez, tourne. Putain, non, 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 non. Freine, freine, freine. Mais non! Putain, mais je vais le passer quand ce bateau de mer? Putain, c'est pas possible. Reprends ici, voilà. Hop, on est bon, on est bon. Putain, mais faut bouger le volant, horrible quoi. C'est bon, ok, on est passé. Hop, on freine, bam, on est reparti. Ouais. Alors, pendant les vacances, je serai là, mais pas trop là en fait. Enfin, ouais, je ferai des vidéos, mais pas beaucoup comme d'habitude que j'en fais pendant les vacances. Parce que vu que j'ai la famille et puis tout ça qui arrive chez moi, ça sera compliqué d'en faire. Puis je profite de ma famille que après les vidéos, ça peut attendre. Même si ça prend du temps. De faire des vidéos parce que j'aime bien. Il y a des personnes qui disent ouais, faire des vidéos YouTube ça sert à rien, en plus c'est pour les feignants machin, parce qu'il y en a qui font leur métier de youtubeur. Moi c'est juste une passion, hein. Après ça je m'en bats les couilles, mais il y en a qui disent ouais c'est pas un job machin. Bah bonjour, le temps qu'il faut mettre pour alors déjà faut trouver ce que tu veux faire en vidéo, quel jeu. Après, faut faire le montage qui te prend vraiment beaucoup de temps. Faut mettre de la musique si tu veux. Faut que tu fasses enfin plein de trucs. Faut que tu fasses ta photo en montage. Enfin, c'est.
ça prend vraiment beaucoup de temps parce que en plus moi j'ai les cours. Du coup ça c'est horrible le temps que ça prend. Mais bon après c'est pour ça que j'en fais pas tous les jours non plus parce que sinon si j'en ferais tous les jours je pense que le lycée je peux oublier totalement. Donc non j'ai pas envie de rater mon bac pour ça. Oui parce que je suis en bac pro. Hop là. Alors c'était juste à côté du coup j'ai pas fait de pause hein, la flemme. Hop là c'est parti. Alors normalement c'est la dernière courte. Il me semble qu'il y en avait 3. Ah j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait ça a bugué. Tout simplement. Du coup j'ai dû relancer le jeu et puis tout ça. Du coup j'ai fait une coupure. Mais bon ça après on s'en fout. Hop là fond. Bon, si c'est tout le temps comme ça moi j'aime bien la course. Merde, faut freiner un peu. Hop, c'est bon, on est reparti. Oh, ouais, j'ai freiné moi. Il y a l'autre qui me rattrape, putain. Ah, j'aurais pas dû freiner comme un con. Oh, par contre, mais bouge. Oula, oula. Calme. Merde, je vois plus rien. Je sais plus ce que je vois. Hop là. Ouais, eh, l'eau comme ça ralentit. Merde. Oh, faut tourner, c'est bon. Oh, nickel. Oh, le virage, je l'ai pris tel un roi. Et oui. Oula, oula. Ouais, bah, pas celui-là, merde. Putain. Rembobinage, c'est bon, on est reparti. Ouais, bah, faut tourner quand même, hein. Oula, oula. Hop, c'est bon, bam. Hop là. Allez, hop. À fond de balle, bam, on freine. Oui. Mais non, mais putain, pourquoi ça fait tout le temps ça? Allez, rembobine. Hop, c'est reparti, on va... contrebraqué, waouh, putain, eh, je vous dis pas les coups de volant qu'il faut donner dans l'eau, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. Allez, on est reparti. Putain de merde, je me suis trompé de bouton. Oh, quel con. Bon, bah, du coup, hop, essayez de me prendre le virage. D'accord, bon, bah, ça a rien changé. Je voulais juste changer de vue en fait, mais je m'étais trompé de bouton, du coup j'ai utilisé le rembobinage. Mais bon, c'est pas grave, on est tout le temps devant. On est à 56% de la course, c'est pas mal. Putain, le son de la bagnole est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, machin, il y a une vitesse. Putain, je vois plus. Putain, je sais. Ah, la vie, j'arrive. Il y a des fois, je vois pas la route quoi. En plus qu'il fait nuit, putain, ça glisse. C'est bon. Oh, oh, oh. Oh, 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 calme, calme. C'est bon, hop, hop. Il tourne, wow, wow, wow. Putain, merde, il faut tourner, nickel. Wow, wow. Putain, eh. Vu que le volant, vu que je tourne le volant et puis que ça tourne en même temps dans le jeu, vous voyez, il y a des moments où je suis en train de paniquer et puis à tourner le volant dans tous les sens quoi. 99, 100% et première place. Et oui. Et oui, on a fini en premier. Mais c'était chaud à une seconde près quoi. Donc c'était assez chaud. Mais on a fini en première position du championnat. Qui est vraiment pas mal. Très bien. J'imagine que je ferais bien d'aller organiser le prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. Organise le prochain. Allez, 500, 253 crédits, 500, 462 XP. Et allez, gagne un bon truc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Putain, 45 000. Bon, c'est déjà pas mal, 45 000, on va pas se plaindre non plus. Alors, c'était 5 000, donc... 14 436 000 fans. Enfin, 14 millions, c'est... Enfin, bref, ouais, vous m'avez compris. Du coup, on peut... Salut, agrandir un festival. Hier soir. Il m'a dit qu'il avait 50 potes qui débarquaient de Sydney. Je crois qu'on va encore devoir s'étendre. On va agrandir celui-là. On va agrandir le tout premier festival qu'on a débloqué. Alors attendez, je vais juste changer de voiture. Parce que je vais vous montrer en même temps, vous regardez à peu près toutes les voitures que j'ai. J'en ai pas mal. Des belles, des pas belles, enfin... Normal quoi. J'ai la McLaren, comme ça, c'est pas la P1, parce que la P1 elle coûte beaucoup trop cher. J'ai la Nissan GT-R de 2017, qui est vraiment pas mal. J'ai la
Mégane RS en style gendarmerie. Et voilà, la Lycan Hyper Sport. Enfin, je l'ai. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 3 400 000, je crois. Donc, vraiment très cher. Mais regardez cette beauté, quoi. Petite pause. C'est bon, ça reprend. Bam. Hop là, on met juste le point pour aller là-bas. Hop. C'est bon, nickel. Écoutez ce bruit. Écoutez ce bruit, juste magnifique. Le bruit juste magnifique, les gens. Oh là 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 là. Donc, si vous avez pas remarqué, hein, la Lycan Hyper Sport, c'est ma voiture favorite. Franchement, c'est... Ah là là, c'est... C'est mon bébé. C'est une voiture que si je gagne au loto, mais je me l'achète direct, quoi. C'est un truc de malade. La Lycan Hyper Sport, c'est... En plus, c'est... Lycan Furious, Lycan, c'est... Ça correspond au nom de ma chaîne. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous raconter une anecdote, pourquoi j'ai choisi ce nom de chaîne YouTube. Alors, tout simplement, parce que... quand j'ai choisi ce nom de chaîne, en fait, j'étais... Enfin, je suis toujours, mais j'étais fan de Fast and Furious. Donc, c'était l'année où le 7 sortait. Donc, c'est en 2016 ou 2015, je sais plus. Je crois que c'est en 2016, début 2016 qu'elle est sortie. Regardez cet intérieur magnifique. Voilà, là, c'est juste abusé. Donc ouais, en fait, j'étais vraiment fan de Fast and Furious. Du coup, j'ai pris Furious de Fast and Furious, qui veut dire furieux en français. Et après, je me suis dit, mais la voiture qui est dans Fast and Furious 7, je la kiffe, elle est vraiment trop magnifique. Du coup, je suis allé chercher sur internet, puis j'ai vu la Lycan Hyper Sport. Du coup, j'ai dit, tiens, bah hop, je vais faire Furious Lycan. En plus, ça va bien, ça rime bien ensemble. Furious Lycan, c'est plutôt pas mal. Et puis, en fait, comme un con, en fait, je l'avais marqué avec un C, Lycan. Et puis, en fait, c'est quand c'est il y a 2-3 mois, j'ai regardé sur internet pour une photo de la Lycan justement. Et j'ai vu que ça s'écrivait L-Y-K-A-N. Donc je me suis dit, oula. Alors soit c'est Google qui a bugué, mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Du coup, en fait, j'ai recherché vraiment Lycan avec un C. Bah, en fait, ça voulait rien dire. Du coup, j'ai dit, ah bah, faut que je change mon nom et puis mon logo et puis tout ça, du coup. Parce que vu que ça voulait rien dire, je me suis dit, c'est un peu con. Alors que je voulais mettre le nom de la voiture, je me suis dit, ça serait dommage de laisser comme ça. Du coup, j'ai changé et puis j'ai mis un K et puis je trouve que ça fait vraiment plus joli. Ça fait plus agressif, enfin, ça fait beaucoup mieux. Ok, nickel, on a agrandi notre festival. Normalement, il est niveau 4, je crois. Ou 5, je sais plus. Alors, normalement, ils vont nous proposer... Voilà. Ils nous proposent des réducs de voitures. Alors là, j'ai 314 000. Je pense que je vais m'en prendre une. Mais bon, je peux me prendre quoi? Alors, je peux me prendre soit celle-là. Ou soit celle-ci. Soit la Audi R8, soit la 458 spéciale. Quoique celle-là, la Audi R8 V10 Plus, je l'avais déjà. Et en fait, du coup, je l'ai vendue. Parce qu'elle me servait à rien. Je la conduisais jamais. Du coup, je pense que je vais me prendre celle, la Ferrari. Mais en fait, je sais pas. Non, je crois que je vais rien prendre, en fait. Le mec, il veut pas prendre de voiture, il veut pas user son fric alors qu'il a déjà plein de voitures. Mais bon, ça sert à rien d'acheter des voitures vu qu'on en a déjà plein. Alors regardez encore, on a encore vraiment beaucoup de trucs à faire. Si on veut vraiment finir le jeu à fond, faut vraiment tout finir, tous les trucs, les coups de pub, et tout ça. Donc comme d'habitude, on va s'arrêter là.
Alors si la vidéo vous a plu, likez, ça me ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de commenter s'il y a quelque chose à commenter tout simplement. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo et ciao tout le monde.